Bon, salut les gens, je suis content de vous retrouver. Alors je vais voilà mettre comme ça pour éviter de m'en. Ah, je suis devant les ruches là. Oui, donc les ruches sont là-bas, elles sont derrière. Voilà, je suis de dos aux ruches, c'est toutes des mâts. Il y avait une question sur les mâts. C'est quoi cette intro là? Salut les gens, bonjour. Alors, petit épisode de 30. Épisode 30, quoi. Non, mais dingue. Alors, ben oui, je vous ai averti plusieurs fois, c'est le dernier qui sort un vendredi. Il y en aura d'autres, puis d'ailleurs pas sur moi ou sur mon exploitation, sur les abeilles, mais chez d'autres. Ou quoi, enfin je vais voir pour octobre, tout ça. Ah, j'aurai encore deux, trois choses à vous montrer, à vous dire, mais voilà. Les vendredis, c'est fini. Disons que c'était bien, ça mettait un petit phénomène d'urgence pour vous sortir un épisode. Puis à la fois, c'était pas bien parce que il y a deux, trois trucs, j'ai été obligé de zapper, j'ai pas pu tout montrer ou quoi, hein, bien sûr. On fera mieux la prochaine fois. Petit retour sur le live de vendredi dernier, c'était super. Franchement, moi je me suis éclaté, ça a passé en 5 minutes, je crois que ça s'est vu. Beaucoup de questions, j'étais surpris. Ça défilait quoi, en fait, ça défilait vachement vite et franchement j'avais pas le temps de suivre, bah, ça s'est vu. Il y a beaucoup de questions que j'ai pas répondu, beaucoup de questions que j'ai éludées, enfin que j'ai commencé à répondre et je suis passé à autre chose et ça m'a ennuyé quand j'ai revu le live. Bon, c'est pas voilà. Ça arrive, mais on y reviendra sur la bœuf, la noire, le nourrissement et tout ça. Ben là, on va parler du nourrissement aujourd'hui, mais sur le traitement, sur voilà, la façon dont c'est fait, pas fait. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire sur ce live? Bon, rien, on y reviendra plus tard. Je fais assez court là, j'ai des semaines encore bien surchargées. Alors, il n'y a pas que l'apiculture, il y a aussi d'autres projets, d'autres choses qui viennent plus tard en octobre, novembre. J'aurai des surprises pour vous, mais ça se prépare. Ok? Youhou! Ensuite. Qu'est-ce qu'on a à dire? Là, on sort d'une période de froid. J'espère qu'on sort de cette période de froid qu'on a depuis 15 jours, 3 semaines, là. On est passé de 45 degrés à 15, quoi. Et encore, les beaux jours, 15. Là, j'ai enfin du soleil. Enfin! Donc, on est mercredi. Il est 15h. Donc, elles sortent un petit peu, ramènent un petit peu de pollen. Au niveau du poids, on va regarder, mais le nourrissement est pas trop mal du tout. Enfin, le nourrissement, en l'occurrence, j'ai pas donné grand-chose, hein, je vous assure. Donc je suis surpris et satisfait. Non, c'est cool, hein, des années comme ça, punaise. Moi, je voudrais ça tous les ans. Évidemment, on n'a pas ça tous les ans. Par exemple, l'année dernière, c'était l'inverse. Parler du nourrissement, en fait, je vais profiter du rayon de soleil là pour ouvrir une ou deux ruches et puis on va en parler. Après, j'ai pas mille choses à expliquer. Moi, je ne suis pas le spécialiste de rien. Hein. Non, mais je dis ça par rapport aux commentaires, à certains commentaires ou une question. Le gars, il me dit. Vas-y, tu nourris devant, par derrière, par au-dessus, chaud, froid, humide, c'est quoi le pourcentage de flotte qui reste dans les rayons une fois qu'elles ont descendu le sirop? Non, mais tu me prends pour le Einstein du sucre ou quoi? Non, non, je sais pas tout ça, moi. Et ça me fait bizarre de voir un gars qui me. Bon, bref. Ce qui compte, c'est qu'elles aient un certain poids pour passer l'hiver, on est d'accord. Vous allez tous me dire, quel est le poids quand on pèse par derrière? C'est quoi le poids? C'est quoi? J'en sais rien. Si, je le sais, c'est quoi ce 18 kilos? Non, j'en sais rien, je m'en fous, quoi. C'est pas que je m'en fous, c'est que je vous ai déjà expliqué que, eh ben là, ça se voit, par exemple, si, hop, si on voit comme ça, on va se rapprocher, alors c'est à l'inverse. C'est pas facile. Là, par exemple, j'ai trois ruches, il y a deux planchers plastiques et un plancher bois. Vous voyez, là? Eh ben, celle avec le plancher bois est plus lourde. Ben ouais, il suffit qu'en plus, ce soit humide ou quoi, un peu gorgé de flotte ou machin, ben ouais. Donc, moi, je me fie pas à ça. Je me fie à moi-même et pas à la balance. C'est exactement comme les ruchettes au début de la saison, là, où j'allais soupeser chacune des ruchettes et toutes les ruches, et là je le fais, voilà. Ça me dérange pas, je vais vous montrer, je fais ça plutôt vite, je vais même parfois faire que d'un côté. Mais je me méfie de ça parce que comme je les ai resserrées, voilà, il y a 8 cadres de côté gauche, côté droit, faut faire gaffe. Quand je les resserre côté droit, c'est parce que le soleil va taper côté droit, enfin bref. Vous savez tout ça maintenant, vous êtes des pros. Voilà quoi. Donc le coup de la balance, je le fais pas systématiquement. Je le fais pas. C'est même pas systématique, c'est je le fais pas. systématiquement, je le fais pas. Et donc je soupèse. Auparavant, j'ai ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc par exemple, pas aujourd'hui. Là, il fait trop frais. Elle vaut la peine. Je n'ouvre pas les ruches. Je viens vérifier qu'il n'y ait pas des surprises par rapport aux 15 jours de froid qu'il y a eu là. Profiter du rayon de soleil pour vous faire un petit épisode. Voilà. Ça fait du bien d'avoir un peu de soleil, quoi. Donc voilà. Ce qui compte aussi, c'est on sait qu'elles vont chercher le nectar dans les fleurs pour le transformer en miel. La transformation, en l'occurrence, c'est du saccharose qu'elles ramènent en fructose-glucose. Je dis qu'elles ramènent parce que c'est quoi? C'est une transformation? C'est l'invertase. Hein, vous avez tous déjà vu ça, peut-être. Donc la transformation chimique du saccharose en glucose-fructose,
en moitié glucose, moitié fructose, c'est schématisé, hein. Il y a d'autres sucres, l'herlose, maltose, tout ça. Ça s'appelle l'invertase. Le sirop que j'amène, là j'ai vérifié la composition ce matin, il est aux 3 quarts, 66%, et aux 2 tiers, pardon, il est aux 2 tiers à 66%, c'est déjà du sucre inverti. En l'occurrence, un mélange de fructose-glucose. Elles n'ont qu'à le stocker et le manger. Voilà, ou le manger direct, sans passer par la case de stock. Les 33% restants, c'est du saccharose, et ça, effectivement, il faut qu'elles le transforment. C'est l'invertase. L'invertase, elles le font dans le jabot. Hein, donc par trophallaxie, vous vous souvenez de ce mot-là, c'est quand même la base. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que il leur reste 33% du boulot à faire. Il faut que ça se fasse en milieu acide et chaud. Dans leur jabot, là, on est à 34 degrés, je ne sais pas exactement. Hein. Enfin, en tout cas, c'est pas à 15 degrés. Là, par exemple, je trouve qu'il fait frais pour distribuer du sirop. Donc, si j'en mets là, elles ne le prennent pas ou peu rapidement. Et on va attendre les journées de samedi, dimanche, là, annoncées à 20, 22 degrés. Là, ça va faire du bien et pas de souci. C'est pour ça que nourrir le plus tard possible, c'est pas terrible. Moi, je me méfie de ça, quoi. L'autre phénomène, c'est d'amener du sirop chaud. Moi, je trouve ça compliqué dans la logistique. Déjà, chauffer une bonne quantité, quand il y a 450 colonies à visiter, je ne vais pas chauffer 2 kg de sirop. Voilà. Et je ne le fais pas. Hein. Je n'ai pas les moyens de chauffer du sirop. Je ne vois pas trop comment faire. Alors, s'il faut plonger un réchauffeur, là, une résistance dans une cuve et tout ça, moi, je trouve ça. Bon, bref. Effectivement, c'est sûr que si vous amenez du sirop chaud, elles le bouffent beaucoup plus vite parce qu'elles vont le transformer beaucoup plus vite. L'invertir, c'est ça le verbe? Invertir, ok. J'ai vu dans certaines vidéos, et je sais que ça se pratique beaucoup, c'est de faire soi-même son candy avec 1 kg de sucre, de saccharose. Donc là, elles ont 100% du travail à faire. L'invertase doit être fait sur la totalité. Là aussi, il ne faut pas me dire que c'est mieux. Je ne crois pas que ce soit mieux. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Et quand je vois un mélange, 1 kg de sucre avec un petit peu d'eau, du 50-50, on entend parler de ça. Moi, je rajoute jamais d'eau à mon sirop. Donc là, j'ai vérifié, il y a 74%, je crois, de matière sèche. Donc c'est ça. Ça veut dire qu'il me reste 26% d'eau. Voilà. De toute façon, on sait que pour le stocker, elles vont descendre l'eau, quoi. Donc plus vous amenez d'eau, plus vous allez ressembler au nectar, plus ça va leur faire faire du travail. Là, moi, je suis dans un nourrissement pour qu'elles stockent ça pour consommer. Donc en novembre, décembre, janvier, mais c'est. Alors, franchement, c'est les consommations à ce moment-là, elles sont très faibles, surtout dans les périodes froides. Là où ça va vraiment redémarrer et consommer fort, c'est en février. Là où je referme les planchers, parce qu'elles produisent du couvain. Et donc il faut chauffer ce couvain. Et pour chauffer ce couvain, elles vont consommer du sucre. Voilà. Tout con, hein. La petite voiture qui passe, il y a une petite route de campagne là juste derrière. Qu'est-ce que je disais? Vous voyez, vous me troublez à chaque fois, je passe du coca light. Et donc, je suis pas. Enfin, bon, déjà, à mon niveau, vu le volume, je vais pas faire kilo par kilo avec du sucre acheté dans le commerce, de saccharose, et voilà quoi. Hein? Vous m'avez compris? Maintenant, pour le nourrissement, je sais pas, tiens, je peux ouvrir cette ruche là, comme ça, au pif. Ça tape un coup. Alors, on me demandait pour l'isolation, je pourrais y revenir, mais ça, c'est un couvre-cadre avec un bout de carton. Ah, auparavant, le gars à qui je les ai récupérés, il les nourrissait par le trou, et le trou est bouché par un bout de plastique, mais en fait, ça me sert à rien, parce que de toute façon, je laisse le nourrisseur. Je laisse le nourrisseur pour l'hiver, je reconnais que là, je me tâtais de tous les enlever. Mais c'est pareil, ça fait une manipulation d'enfer. Bon, alors ça y va très bien avec le nourrisseur. Ce que je devrais faire, vous voyez, je me mets des. Il faudrait que j'enlève un tiers des nourrisseurs pour les nettoyer, et puis l'année suivante un autre tiers, et l'année suivante un autre tiers. Ça fait, voilà, ça fait pas mal de main d'œuvre. Pourquoi pas, je vous avoue, voilà, je suis pas bien rodé là-dessus, et puis voilà, il faut que je rajoute les petites vidéos, je vous fais prépare quelques surprises pour l'automne, l'hiver, et voilà, ça me prend du temps, bref. Alors, alors là, vous voyez pas grand-chose, mais de toute façon, on va ouvrir une ruche ou deux, là, il fait relativement bon, quand même, hein. Voilà, donc moi, ce que je vais, il faut que je pose la caméra, bon, je vais mettre le masque, là, un coup de fumée, puis on va ouvrir, on va en parler, à tout de suite. En fait, avec le montage, le à tout de suite, ça prend une seconde, c'est ça qui est magie. Bon, allez, go, il y a un avion qui passe, on sent, ouais. Alors, voilà notre ruche, typiquement, ce que j'arrive, elle rentre un peu de pollen, je viens de mettre la grille blanche, là. Donc elles sont un peu perdues, le temps qu'elles se retrouvent, demain il n'y paraîtra plus. Donc typiquement quand j'arrive, ce que je fais, hop, je la soulève un coup. Donc là je trouve qu'elle est lourde, et particulièrement côté gauche. Impeccable, c'est ce que je veux, on va vérifier.
Donc si, voilà ce que je fais moi, hein. Je me fie juste à ça, et je sais, si vous voulez, à force de le faire, je sais ce que je dois faire ou pas. Là, je pense pas lui rajouter quoi que ce soit, mais si je devais le faire, alors je m'assure d'enlever les abeilles qu'il y a là-dedans, hein, là aussi, pour pas qu'elles aillent tremper dans le sirop, évidemment. Là, vous voyez, j'espère que ça se voit, mais pas de ce côté-là, l'autre caméra, mais sinon, hop, je vous montre, hop, hop. Il y a l'ombre, évidemment. Ouais, mais c'est trop compliqué de faire des films, les gens. Là, comme je vous disais, je les laisse ouverts comme ça, là. Donc j'arrive depuis le haut avec le couvre-cadre, quand il n'y a pas d'abeilles, hop, je le referme. Je pousse simplement depuis le haut comme ça, et là, il est fermé. Je vous avais dit, hein, je laisse ouvert pour pas qu'elle propolise et puis qu'elle puisse aller librement dedans pour le garder propre, quoi, voilà. Hein, ok. Donc je les referme, les machins, les ouvertures, là. Alors s'il y a une ou deux abeilles, voilà, il suffit de les toucher un peu, elles s'envolent, ou au pire, je les enlève avec les doigts, voilà, quoi. Hop. S'il y en a un peu plus, eh ben, il faut souvent décoller pour retourner le nourrisseur et taper un coup qu'elle se descende, ou taper le nourrisseur, ou un petit coup de fumée comme ça, quoi, voilà. Et donc typiquement, si je n'ouvre pas, eh ben, je vais mettre plutôt que d'un côté, je mets rarement des deux côtés. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a le côté, ça penche, quoi. La ruche, elle penche, alors là, elle penche légèrement à droite. Normalement aussi, je mets toujours quelques briques plates, quelques morceaux pour caler les ruches. Genre là, il faudrait la surélever un petit peu comme ça. Et c'est ça que j'aime pas dans ces nourrisseurs là, si vous voulez, si ça penche en avant, et ben de ce côté là le sirop va arriver, mais de ce côté là il va aller s'appuyer là contre, elles pourront pas nettoyer tout ce qu'il y a là. Je préfère, c'est vrai, un seul compartiment, et pencher normalement vers l'avant, et puis tout le sirop arrive là, et pas de soucis. Et voilà. Donc là, bon, si on ouvre la colonie que j'estime moi assez lourde, ça veut... là on est le 15 septembre, hein, je sais plus combien. Ouais, c'est quand même assez lourd. Ce que je fais aussi, vous l'avez déjà remarqué, c'est que je vais tapoter un coup sur la tête de cadre. Et là, ça sonne plein. Il faudrait que je fasse avec un cadre qui sonne creux pour que vous vous rendiez compte. Ok ? Et puis si on regarde la nourriture, alors là, tiens, bon exemple. Là, je suis derrière la ruche, ce qui fait que je vais manipuler le bras gauche. Je vais manipuler le bras gauche en avant, ou le bras droit, hein, mais... Au contraire de... Alors là, ben, j'ai mal placé mon truc au début. De le mettre sur le côté pour manipuler comme ça. Ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ça. Quoi. Je sais faire les deux, évidemment. Et voilà, vous m'avez compris. Alors, au niveau de ce qu'il y a dans la ruche. Une partoche. Alors oui, effectivement, j'ai eu la remarque. Elle bouffe le polystyrène. C'est vrai. Les solutions... Non, la peinture, moi, ça me fait chier. C'est pour ça que je mets rien et puis que je les remplace régulièrement, tous les 2 ans, 3 ans, je remplace ça, ça coûte rien quoi. Après c'est du boulot, il vaudrait mieux mettre un truc en bois. Alors et pareil pour l'isolation, j'ai vu qu'il existait du papier, pas du papier, des trucs en alu là, partition chaude et tout. Ok. Je dis que il est bon parfois de pas trop isoler ses ruches aussi. Il faut qu'elles sentent les premières chaleurs du redémarrage du printemps suivant ou de la fin d'hiver. Il faut qu'elles sentent ça pour voilà, pour sortir, rentrer, machin. Des fois elles sont trop isolées, elles sentent même pas qu'il fait un coup de chaud ou quoi. Ou au contraire, elles vont se fier à la lumière, elles vont sortir, puis en fait c'est de la neige et ça caille. Bref, moi je m'en sors très bien comme ça, voilà, j'aurais du mal à changer, mais. Que je fasse. Donc là, on a de la provision et du pollen. On voit qu'il y a de la place pour la provision encore. Là, on peut s'en remettre un petit peu. Bien qu'il soit pas mal lourd déjà. Hein. C'est bien ça. Je suis content. Le cadrage est comment? Je peux remonter un peu là. Vous voyez les cadres? Voilà. Oui, faut pas gueuler. Je suis là. Voilà. Ensuite, si je vais voir la suite, ben ensuite la suite, je vais me mettre là que je ne sois pas devant la cam. Là, on a un cadre de... Il y a du pollen. Hein. Alors, c'est du pain d'abeille. Vous savez ce que c'est que le pain d'abeille, évidemment. Beaucoup de pain d'abeille, de pollen, du miel. C'est cool. Alors, il y avait la trace de la lanière aussi que j'ai déplacée. Alors, sur les lanières et le traitement, je me fais pas mal charrier. Mais voilà, ce que j'essaie de dire, moi, dans le message, c'est que j'applique ce que la législation me demande de faire. Si la législation est mal foutue, il ne faut pas me rabattre ça sur moi. Il faut se battre pour faire changer la législation. Mais pas me dire, tu fais de la merde, mets des huiles essentielles. Ok ? Merci. Et surtout, dire mets des huiles essentielles et puis approuver ce que fait la FNSEA en foutant des 150 hectares de merde.
ça je le diffuserai pas. Un peu gars, ils sont pas sortis depuis 15 jours. On trouvera ici qui finit de s'ouvrir quelques cellules, je vois pas d'œufs. Là, la réduction avec le froid qu'il y a fait là, la réduction de ponte. Oui, ok. Bon, les abeilles sont belles. Pas de traces de varroa, c'est-à-dire d'ailes déformées ou quoi ou quoi. Il faudra que je refasse un test de toute façon sur pas mal de ruches. La reine est là. Ok, c'est pas mal. Non, ben rien de spécial. Ça va plutôt bien là. Hein. Alors le nombre de cadres de couvain pour l'hiver, franchement, ça dépend des colonies. J'ai ouvert des essaims l'autre jour. Bon, ils étaient un peu faiblards quoi. Parce qu'ils étaient en manque de pollen. Je suis en train de chercher la fumée. Elle est relativement agressive. Ça va, mais... Donc tout ça, voilà, c'est ça un peu mon message. Moi, ça dépend des colonies. Il faut s'adapter, il faut voir, il faut jongler, il faut... Voilà, quoi. Hein ? D'accord avec ça, d'une manière générale, non ? Alors là, voilà. Non, ben voilà, là, je la dérange pour vous, j'ai envie de dire. Mais sinon, il n'y a rien à faire sur ces truches. Il faut la... Faut aller l'embêter entre guillemets au printemps prochain quoi, faut l'ouvrir au printemps prochain, hein. Alors ce qu'on peut dire quand même, c'est au niveau de la force ce qu'il faut pour passer l'hiver, je vous dis, c'est suivant chaque colonie. Après il y a quand même un nombre d'abeilles minimum quoi, c'est ça le truc quoi. Si vous avez un ballon de hande, c'est vrai que ça va être compliqué. Voilà, on se rend compte assez rapidement, mais même là c'est occupé, et puis on va aller voir, mais je pense qu'il y a du miel. Elle est belle quoi, hein. On a une belle colonie qui est là-dedans. Mais bon, elles sont toutes comme ça les ruches. Je vous dis, les derniers essaims que j'ai fait assez tardivement, ils ont manqué de pollen là pendant les 15 jours. Ils n'avaient pas forcément de stock de pollen. Là, je suis un peu plus réservé, voilà, sur leur... Il y a le nombre d'abeilles. Et c'est des abeilles d'hiver, donc normalement elles vont passer l'hiver, oui, mais voilà, je pense que ça va être plus dur pour eux. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est pareil, on avait des questions, tiens, je voudrais changer ma reine, machin. À un certain moment, les gens, dites-vous, demandez-vous à quelle date vous êtes, 15 septembre, ou là, on arrive aux limites de ce qu'on peut faire, quoi. Donc la mienne, hein, ben, c'est pareil, je vois encore pas mal d'alvéoles qui vont pouvoir être complétées. Est-ce que je complète aujourd'hui, alors qu'il fait un peu frais, je suis juste venu filmer? Ou un petit peu plus tard, en espérant qu'on ait un été indien, un petit peu de chaleur, là, hein, ou fin septembre, octobre. Je reconnais que c'est plus du au cas où. Hein. Non, ben voilà. Ça vous va? C'est pondu, voilà, quoi. Rien de spécial. Je vous dis, elles ont été confinées pendant 15 jours, là, voilà, quoi. C'est un peu vive. Et donc je laisse le nourrisseur tout l'hiver, elles vont le repropoliser, là ça va assez vite, c'est même surprenant, hein. Elles le recollent rapidement. Bon, il faut qu'elles fassent un peu de chaleur, mais là ça va. Voilà, là le truc est ouvert, elles peuvent re-rentrer au cas où. Voilà. Bon ben voilà, on fait assez court parce que, bon, ben, je vais pas faire un chapitre complet sur le nourrissement. Déjà, je vous dis, je suis pas spécialiste et je vais dire des bêtises ou quoi, voilà. Je fais ce qui me semble approprié et pas de systématique. Une année comme ça, je suis impressionné. Je passe 5 fois moins de sirop que l'année dernière, par exemple, en ce moment. Là. Mais c'est bien, c'est du stock pour l'année prochaine, pas de souci. Sinon, bah merci beaucoup pour la saison aux abeilles. On peut marcher un peu, histoire que vous voyez les ruches. Voilà, j'aime bien ce rucher-là. Il y a un peu plus de ruches qu'ailleurs parce que je vais les hiverner là. Il y a une ou deux places, bah je vais même compléter. Ce qui fait que là, par exemple, j'ai quoi? 2, 4, j'ai 23 ruches ici. Oui, il est un peu plus grand que les autres, mais enfin bon, ça va quoi. Non, c'était un plaisir de vous suivre toute la saison. Il est cinglé celui-là, c'est l'inverse. Sinon, donc, prochain rendez-vous. Eh ben c'est pas vendredi, ce serait peut-être avant, peut-être après, ce serait logique. Surveillez les réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que j'en ressors un. Twitter, Facebook, je suis moins fan, j'aime pas trop l'interface et tout ça. Et voilà quoi, merci à vous, et merci encore.
Voilà, j'espère que j'ai un petit générique de fin. Je sais qu'il y en a qui zappent les génériques. Moi, quand je re-regarde les épisodes, je regarde que les génériques. Franchement, tout ce que j'explique, c'est marrant, mais je le sais déjà, quoi. Voilà, il y a des jolies petites fleurs partout, là, c'est magnifique. Allez, à bientôt. Merci. Ah, non.